Donc, bonjour les enfants, dans cette vidéo nous allons faire ensemble euh, cette page du fichier de PicBee. Donc il te faut ton fichier de PicBee, ouvert à la bonne page, euh, un crayon de papier et éventuellement une gomme euh, pour corriger si besoin. Alors on va commencer avec le euh, calcul mental ici en haut de la page. Le calcul mental, je rappelle que c'est des calculs qu'on doit arriver à faire dans sa tête en s'imaginant les choses, mais on ne doit ni dessiner euh, ni avoir besoin de matériel. Et on va faire des petites soustractions. Les soustractions, c'est quand on va enlever quelque chose. Alors, je te dis le premier calcul et il faudra, il faudra écrire le résultat dans cette case-là. La première soustraction, c'est 6 moins 2. Maintenant, tu peux mettre sur pause le temps de trouver le résultat. Deuxième calcul à écrire dans cette case-là, toujours une soustraction, 9 moins 4. Mets sur pause pour pouvoir écrire la solution. Maintenant, troisième calcul à écrire dans cette case là 10 moins 5. Pareil, mets sur pause le temps de trouver le résultat. Quatrième calcul, dans cette case ici, 7 moins 6. Mets sur pause pour trouver le résultat. Et enfin, dernier calcul, ici dans cette case, 8 moins 2. Mais sur pause, le temps de trouver le résultat. Si tu ne t'es pas trompé, tu as dû trouver les résultats suivants. D'accord Maintenant, nous allons passer à cet exercice-là. En fait, on va avoir... Un problème, il va falloir compter le nombre de crayons de papier, enfin, de crayons de couleur, pardon, qu'a Paul, ici, et le nombre de crayons de couleur qu'a Marie, de ce côté-là. Fais bien attention à combien il y a de crayons de couleur dans chaque paquet, ce n'est pas toujours la même chose, d'accord? Et n'oublie pas les crayons de couleur qui sont à côté. Tu as le droit pour ça de t'aider euh, par un dessin que tu peux faire sur une ardoise ou sur un cahier de brouillon. Maintenant, je te laisse faire le problème, mettre sur pause et on se retrouve pour la solution. Donc là, on voit euh, que euh, Paul a deux paquets de 5 rayons. Donc on sait que ça va faire 10. Et à côté, il a 5 rayons dans la boîte plus deux à côté, donc ça lui fait 7 crayons. 10 plus 7, ça fait 17 crayons. Et souviens-toi, on écrit toujours le nombre de paquets de 10 de ce côté-là et le nombre d'objets tout seul de ce côté-là. Deuxième problème, on a donc une boîte de 10 et on a ensuite les deux boîtes ici de 5 qui forment un deuxième paquet de 10 et trois crayons tout seuls. Donc ça nous donne 23 crayons, deux paquets de 10 et trois crayons tout seuls. Maintenant, deuxième problème sur cette page. On a ici un plateau de jeu qui a des lignes ces lignes portent un numéro, d'accord? On a la ligne numéro 1, 2, 3 et ainsi de suite jusqu'à 8. Mais on a aussi des colonnes dans ce sens-là. Et les colonnes, elles, sont notées par des lettres. La colonne A, B, C et ainsi de suite jusqu'à H. Et il y a aussi des cases. Des cases blanches, mais aussi des cases marron. Et sur cette, euh, ce plateau, on a posé des pièces. Des pièces qui servent à jouer à un jeu qui s'appelle les échecs. Les pièces ne se ressemblent pas. Elles n'ont pas la même forme ou pas la même couleur. Donc il faut bien les observer. Et ensuite, ces pièces, on va les retrouver ici. La première pièce, il faut que tu bien la regardes. Et ensuite, la retrouver sur le plateau. Elle est ici. Et on va devoir dire euh, où elle est précisément, donner sa position exacte. Donc il faut qu'on cherche à chaque fois dans quelle colonne elle est. Donc on voit bien ici en remontant ou en descendant qu'on est dans la colonne C. C'est pour ça qu'on a écrit C ici. Et qu'on est aussi sur la ligne 3. Hein, on a deux informations à donner pour trouver le bon endroit. Donc, c'est pour ça qu'on a écrit ici 3. Donc, maintenant, il va falloir que tu cherches cette deuxième pièce, bien la regarder ici, la retrouver là et faire la même chose, c'est-à-dire trouver dans quelle colonne est cette pièce et donner le nom de la lettre de cette colonne, mais aussi trouver la ligne sur laquelle est cette pièce et donner le numéro qui correspond. D'accord Donc, tu peux mettre sur pause le temps de trouver la solution. Donc si tu as le temps de bien faire ton travail, on trouve que cette pièce que je montre avec mon doigt est bien dans la colonne A et qu'elle est sur la ligne 4. La pièce suivante qui est ici était dans la colonne C et la ligne 5. L'autre pièce est sur la même ligne, mais dans la colonne D. Donc, toujours sur la ligne 5. La pièce suivante est ici. Elle est dans la colonne D et sur la ligne 2. La pièce suivante est ici. Elle est sur la colonne C et sur la ligne 1. Et enfin, la dernière pièce ici est sur la colonne H et la ligne 7. Maintenant, troisième exercice. C'est un exercice qu'on a déjà vu plusieurs fois, sauf que euh, ce n'est pas toujours des perles à compter. Ça peut être euh, des fleurs, ça peut être euh, des jetons de hein, mais on a déjà eu plusieurs fois cet exercice. L'astuce ici, ça va être d'utiliser les repères qu'on connaît pour ne pas se tromper. Les repères, c'est les groupes de 5, puis les groupes de 10. Ce que je te propose, c'est de faire un petit trait quand on a eu 5 perles. 1, 2, 3, 4, 5. Petit trait, comme ça, je sais que j'ai un paquet de 5. Et je continue pour faire un paquet de 10. 6, 7, 8, 9, 10. Et quand j'ai un paquet de 10... Je l'entoure. Comme ça, je n'ai plus besoin de recompter. Je sais ici que j'ai 10 perles. Je te propose de faire la même chose pour la suite. 1, 2, 3, 4, 5, le petit trait. 6, 7, 8, 9, 10, mon paquet de 10. De continuer et pour que cela te permette de trouver la réponse. Savoir combien il y a de perles en tout. Je te laisse mettre sur pause le temps de faire le travail. Donc si on continue à compter, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je vois, je ne peux pas faire un nouveau paquet de 10. Je compte maintenant les paquets de 10, 1, 2, 3, et je l'écris toujours de ce côté-là. Et le nombre d'objets qui restent tout seul, 5 plus 1, 6 objets. Donc tu dois savoir écrire le nombre. Si tu ne sais pas le dire, ce n'est pas grave, mais tu dois savoir l'écrire. Donc ici, il y avait 36 perles.